Or, il était évident, et tous ceux qui ont participé à l'histoire le savent, quand on a fait les euros, on savait que les euros disparaîtraient dans les 10 ans si on n'avait pas un fédéralisme budgétaire, c'est-à-dire des eurobonds, mais aussi une taxation européenne, mais aussi un contrôle des déficits. On le savait, parce que l'histoire le montre, parce qu'il n'y a aucune zone monétaire qui survit sans un gouvernement fédéral. Le seul exemple dans l'histoire d'une zone monétaire qui survit sans gouvernement fédéral, c'est la zone franc. Bon, elle existe, mais c'est un cas très particulier. La France contrôle assez profondément l'économie des pays qui en sont membres. Mais est évident, tout le monde le savait. Tout le monde savait que cette crise allait arriver. D'abord, tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Parce que si on sort, ce qui naturellement est toujours possible, c'est impossible, mais naturellement, si on veut, on peut. C'est très très compliqué, hein, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est très très compliqué de sortir, soit par le bas, soit par l'eau, c'est très compliqué.